tombs. Salut tout le monde, on se retrouve pour l'épisode de... Je ne sais sérieusement pas, mais enfin... donc pour la suite de Tomb Raider 5, et on s'était arrêté, j'ai tapé les deux bonhommes. Ici. Complètement flippant d'ailleurs. J'ai le jeu qui gueule dans les oreilles, je vais baisser le son. Voilà. Voilà. Oh, peut-être que je me le reconnais. Voilà. Le pauvre. Bon allez, on continue. Qu'est-ce qui se passe? Qui se tient devant moi? Qui est depuis 700 ans. 700 ans, tout seul dans une grange. Les nuits d'hiver ont dû passer à toute allure. Silence, hérétique, ou je vous tranche la tête. Oh. Laissez-le tranquille. Cet enfant a de l'esprit. Mais qu'est-ce donc? À l'heure où cette île est couverte des restes d'hommes saints. Mon cadeau à leur âme pour m'avoir empêché de réclamer l'héritage qui devait être mien. Et cela ne m'étonnerait pas que cet héritage explique, du moins en partie, pourquoi vous marchez et respirez encore alors que vous devriez être mort depuis longtemps. Cet héritage, c'est le cadeau de la vie éternelle, dont le secret se trouve dans un vieux manuscrit, gardé par un vieil abbé et ses disciples. Un manuscrit qui fait couler dans mes veines un sang démoniaque. Je ne suis plus homme, j'ai un pied sur la terre et un pied en enfer. Alors pourquoi rester sur l'île? Vous êtes venu pour les vacances et êtes tombé amoureux du paysage. Tenez votre langue avant que je ne la coupe. Les fléaux frappent cette île et ses villes habitants. Ce sont eux et leurs vieilles abbés qui ont comploté pour m'enfermer dans ce donjon pour l'éternité. Moi, Vladimir Galita, serviteur du premier Kremlin, pourfendeur des Suédois sous Nevski au bord de la Neva, jeté dans cette prison d'eau. De l'eau? Vous êtes pris au piège par de l'eau? Les démons ne peuvent traverser. En effet, la trouvaille de l'abbé avant que je sois transformé. Et toi, petite, tu dois trouver un moyen de consolider ce courant où ton saint homme sera éviscéré et dépecé comme une bête.
dépecé. Ah bah il manquait plus que ça, tiens. Donc, si j'ai compris, il y a une histoire de courant. Comment on fait pour y aller? Bah tiens, même truc qu'elle a fait tout à l'heure. Ça devait être bon, tiens.
un apéritif. Petit problème, enfin c'est pas vraiment un problème, bref, passons. Donc on a été mouchet. Ah oui, pas ça. C'est pas ça. Et comment fait-on pour aller sur ça? Ah, ça ouvre la porte. D'accord. Thank you.
Ah, mes crottes. C'était chaud. Ah, dégagez, je veux pas mourir. Ça mène où ça? D'accord, ça mène là. Ici parce que j'en ai envie juste avant l'interrupteur. Tiens, du suspense. Oh. Ok, à bientôt et au prochain épisode.